voisin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Karl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. La piste était fraîche. Ça faisait peu de temps que la voiture s'était enlisée. Où diable pouvait être passé les propriétaires? Les traits d'arbalète avaient la même origine. Il n'y avait pas de doute pour Karl. Qui était-ce? Et surtout, que chassait-on ainsi? À la place de la route, du vide. Karl détestait les cul-de-sac. Il se sentait coincé. On aurait dit que la route avait été avalée par le lac. Il fallait trouver des secours par un autre chemin. On aurait échappé ça dans la fuite. C'est vers là qu'on courait, dans les bois. Karl se sentait comme un chasseur sur les traces d'une proie. On aurait échappé ça dans la fuite. C'est vers là qu'on courait, dans les bois. Karl se sentait comme un chasseur sur les traces d'une proie. Il ressentit le froid habituel. Karl le savait, il sombrait dans une vision. Karl connaissait bien ces images flottantes. Il se demandait cependant ce qu'elles pouvaient bien lui vouloir. L'esprit s'en alla vers la forêt, comme libéré. Karl, c'est vrai, connaissait son histoire maintenant. Un autre esprit déguerpissait vers les étendues sauvages. Karl connaissait son histoire à celui-là aussi. Les esprits semblaient soulagés dès lors que Karl avait constaté leur drame. En voilà un autre qui se libérait. Karl sentit le froid battre en retraite, comme s'il s'éloignait d'un centre de gravité. Allait-il quitter ce monde pour revenir au réel ?
L'engourdissement quittait Karl, la vision chavirait. Encore quelques pas et elle lui échapperait complètement.
Thank you.
Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Thank you.
Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Hannah Arendt, Roland Barthes. Des livres bien compliqués dans cette petite bibliothèque. Karl se demanda s'il n'avait pas affaire à des intellectuels. Quelque chose dans la femme respirait la libération, et chez l'homme aussi bien. On dirait que le couple ne vivait pas autant que d'autres sous le poids du monde ancien. Une photo de jeunesse. Karl comprit d'un seul regard que Wilfred devait occuper une sorte de poste de garde-chasse. La photo avait été prise non loin d'ici. C'était deux couples amis à l'intérieur même du village. On n'avait laissé aucune arme derrière. Tous les fusils envolés. Thank you.
Il n'y avait ici aucun vêtement, comme si les rois étaient partis avec toute leur garde-robe sous le bras. Thank you.
Une vieille voiture avait été stationnée ici. Carl était capable d'imaginer le gros véhicule du notaire avec la grande banquette arrière pour toute la famille. À l'époque, la religion était très influente au Québec. C'était d'ailleurs étonnant que Carl n'ait pas vu de chapelle depuis son arrivée. Le bon Paul VI et sa pose papale. Avec ses doigts crochetés, on le sentait sur le point d'accomplir un miracle. La belle famille catholique typique, laquelle peuplait les églises tous les dimanches. Qui a dit que les girafes ne vivaient pas au pôle Nord? La mode des jouets est très étonnante. L'amour de la religion et des ancêtres. C'était le double culte des anciens Canadiens, auquel appartenaient visiblement les Bédards. La mère Bédard devait passer ses journées à frotter toutes ses couches salies par ses enfants. Disparaître comme ça avec un bébé sur les bras, ça devait pas être sans danger. Un berceau vide, c'est toujours émouvant. Sans doute Jean-Luc Bédard avait été dans le village l'homme le plus proche de William Hamilton, alias Oncle Willy.
Le capteur de rêve venait des légendes amérindiennes. Il servait à emprisonner les cauchemars des dormeurs. Les bédards avaient déserté la place. Carl songea que ces gens-là ne seraient d'aucun secours.
La glace une nouvelle fois s'était abattue. La femme semblait figée là pour l'éternité. Quelque chose se cachait sous l'escalier. L'homme attrapait sa carabine. Karl ressentait sa peur. Peut-être que le couple était en froid. Il y avait beaucoup de cachotterie dans cette maison. Karl sentit le froid reculer et revint à la réalité. Où Gisèle n'était plus cette femme qui vaquait dans sa demeure, mais plutôt, comme son mari Gilles, un gros bloc de glace. Ah, les aléas du déménagement. Vous trouvez le tourne-disque, mais les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte. Ah, les aléas du déménagement.
Vous trouvez le tourne-disque, mais les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte. Le magasin général ainsi que plusieurs autres infrastructures de la région ont été acquis par le riche industriel William J. Hamilton. Le village devra-t-il être rebaptisé Hamilton? Carl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées en témoignaient. Ce modèle-là de coffre-fort, Carl le connaissait. Avec son double système de lettres et de chiffres, il fallait être un redoutable cambrioleur pour en casser le code. Les aléas du déménagement. Vous trouvez le tourne-disque, mais les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte.
Carl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées en témoignaient. Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. Beau portrait de Gilles et Gisèle, retenu par les chaînes de l'amour conventionnel. Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. Carl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées en témoignaient. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Thank you.
Karl concevait de plus en plus que ce ne pouvait être une chasse normale. Le gibier qu'on traquait à l'arbalète était féroce, car jamais le tireur ne semblait s'en approcher. Qu'était-ce donc? Une vraie grotte, cette cabane-là, pensa Karl. Il faisait beaucoup trop noir. Fallait faire attention pour pas se cogner sur les meubles. La patience. Le jeu de cartes pour joueurs solitaires. Ça semblait bien triste comme activité.